et modèle pour l'âme qui passe la nuit dans son plus dur. Et les secours et les modèles que nous pouvons avoir pour nous soutenir en cette période dure et pénible, c'est le grand moment de sanctification là. Eh bien, c'est le Christ Jésus et la Vierge Marie. Et le thème, c'est ceci, le Christ Jésus, prêtre et victime. Et la deuxième partie du cours, la Vierge Marie, toute mère. Deux grandes idées très belles. On va faire ce soir un rappel théologique du rôle de Jésus dans notre vie spirituelle et de notre approche du mystère de Jésus, particulièrement dans nos temps durs. D'abord un peu de théologie sur le Christ. Hein? Le Christ Jésus, prêtre et victime. Vous savez ce que c'est qu'un prêtre? Un prêtre, c'est celui qui offre à Dieu une victime. Dans n'importe quelle religion du monde, depuis le commencement du monde. Et la position normale pour un prêtre, c'est debout, devant un autel, comme la Vierge au pied de la croix. Hein? Le rôle d'un prêtre, c'est d'offrir. Et le sacerdoce, vous savez que le sacerdoce du Christ, il est partagé par tous les chrétiens. Seulement, il y a deux aspects. Il y a le sacerdoce du baptême, là, le droit à tout chrétien d'offrir Jésus en union avec lui-même, en particulier au Saint-Sacrifice de la Messe. Et puis, il y a le prêtre, il y a une vocation charismatique ou un sacerdoce ministériel. Ça veut dire que pour le service de l'Église, il faut quelqu'un pour mettre Jésus sur l'autel si on veut l'offrir à son Père. Hein? Et ça, c'est un charisme particulier, une vocation particulière, celle du prêtre ministériel. Alors, vous comprenez, puisque vous êtes déjà prêtre par votre baptême, vous devez comprendre un peu le sens du sacerdoce. Alors, Jésus, c'est un prêtre, donc il offre. Mais c'est plus qu'un prêtre, une victime. Ça veut dire que la victime qu'il offre à son Père, c'est lui-même. Nous aussi, étant donné que nous sommes prêtres dans le sacerdoce du Christ, nous avons le droit d'offrir le Christ. Et c'est la victime que nous offrons. Nous faisons cet acte-là dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. Et puis nous pouvons aussi nous unir à Jésus, pas seulement prêtre, mais à Jésus victime. Et c'est très convenable de le faire, hein? Nous mettre à accepter les souffrances que le Seigneur veut pour nous, et puis offrir tout ça. Mais remarquez que le geste essentiel d'un prêtre, c'est le sacrifice, et le geste essentiel d'un sacrifice, c'est l'offrande. C'est très important de penser à ça. C'est le fond de notre religion. Alors, Jésus est médiateur. Médiation du Christ, médiation universelle. Qu'est-ce que ça veut dire, médiateur? Ça veut dire que Jésus, étant donné qu'il s'est offert en victime, puis qu'il s'est offert à son Père en victime, donc victime et prêtre, étant donné cela, il a mérité la médiation. Il a mérité de rester l'intermédiaire entre Dieu le Père et nous, si vous voulez, entre la justice divine et notre état de pécheur. À cause qu'il a accepté ce sacrifice-là, d'être l'offrant et l'offert, à cause de ça, il a été jugé digne, dit saint Paul, de porter le nom, hein, le nom devant lequel tout genou fléchit, au ciel, sur terre et aux enfers, le nom de Jésus, c'est-à-dire sauveur. Médiateur pour nous sauver parce qu'il est prêtre. Alors, vous comprenez tout de suite le sens de la spiritualité, là.
spiritualité d'une âme avancée, c'est pas seulement la récitation de quelques prières, hein? C'est une participation à tout cet aspect du mystère de Jésus-là. Donc la médiation du Christ, elle est universelle. C'est-à-dire qu'il s'est offert pour le monde entier. Il a souffert pour le monde entier. Il s'est offert à son Père pour ça. Cette idée-là, c'est un article essentiel de la catéchèse apostolique. Expliquons les mots. Quelle différence entre une catéchèse puis un catéchisme? Le catéchisme, c'est le petit livre par questions et réponses qui enseigne, qui produit, qui apporte l'enseignement de l'Église. La catéchèse, c'est la chose enseignée. Ce que l'Église enseigne, c'est une catéchèse. Or, pourquoi mettre ici le mot catéchèse apostolique? C'est parce que la catéchèse qui vaut dans l'Église catholique, c'est la catéchèse telle qu'elle a été enseignée par Jésus lui-même et ensuite, après sa mort, par les apôtres. De sorte que l'Église a ses bases doctrinales sur les apôtres, les 12 apôtres, avec Jésus au centre. Hein? C'est ça qu'on appelle la catéchèse apostolique, la tradition directe des apôtres. Hein? En France, par exemple, ça a passé par Saint-Jean, et puis c'est allé du côté de Lyon, là, Saint-Potin, puis Saint-Irénée, puis c'est arrivé à Lyon, et puis alors toute l'Église française est en ligne directe avec les apôtres, l'apôtre Saint-Jean particulièrement. D'ailleurs, partout ailleurs, c'est un peu la même chose. On a moins de connexions directes, mais nous avons encore dans l'Église catholique l'enseignement ou la catéchèse telle que la donnaient les apôtres, les témoins directs et officiels de Jésus-Christ. Or, dans cet enseignement de l'Église, on n'a pas le droit de changer ça. C'est ça l'enseignement des Églises. Et si on enlève quelque chose d'important dans cet enseignement-là, on n'est plus des orthodoxes, on n'appartient plus à l'Église du Christ. Il y a tout un ensemble de doctrines là. Alors, c'est ça. Or, la médiation universelle de Jésus, c'en est un article essentiel. Pas moyen d'enseigner, si on veut être complet, l'enseignement officiel de l'Église sans tenir compte du rôle de Jésus-Christ comme médiateur pour le monde entier. Cette médiation de Jésus, je l'ai laissé entendre il y a un instant, Jésus l'a réalisée, il en a été chargé, il l'a mérité, je peux dire avec saint Paul, par son sacrifice, son offrande et par son sang, par sa mort. De là, la doctrine sur la valeur du sacrifice de la messe. Pourquoi la messe a tellement tant d'importance dans l'Église catholique? C'est parce que la messe, c'est précisément le lieu de rendez-vous de ce geste de Jésus qui s'offre à son Père pour l'univers entier. Il a mérité pour tout le monde, et tout le monde sans exception. Bon, ça c'est un peu de doctrine, un rappel catholique là. B, je dis maintenant que cette médiation de Jésus là, qui est bonne pour tout le monde, qui est là depuis le commencement de la religion catholique, je dis que nous les catholiques, nous en avons particulièrement besoin lorsque nous passons par la nuit de l'esprit. Quand on est dans la nuit de l'esprit, c'est le temps, plus que jamais, de penser à Jésus médiateur. Et là, tout de suite, je rentre en technique. Là. Deux petits paragraphes. Si Dieu suspend, sinon. Voyez-vous là sur vos feuilles? Deux lignes d'abord. Si Dieu, c'est-à-dire dans les moments de prière contemplative, ça, c'est toujours quand vous priez seul. Vous n'aurez jamais de prière contemplative en groupe. C'est impossible.
Parce qu'un groupe, c'est une prière active. Or, la prière contemplative, c'est le contraire, c'est une prière passive. Donc, dans les moments où vous vous mettez en oraison seul, seul à seul avec Dieu, il peut arriver une première chose, Dieu suspend vos puissances. C'est quoi ça? Dieu suspend l'activité de votre mémoire, de votre imagination, de votre entendement, et de toutes vos facultés. Alors ça, ça veut dire que vous avez une grâce de contemplation. Quand on a une grâce de contemplation, on n'est pas capable de méditer avec des phrases, des mots, des réflexions. On est obligé de laisser faire le Seigneur qui prie en nous, Saint-Esprit. Alors, premier cas, là. Si Dieu suspend vos puissances pendant votre prière, vous n'êtes pas capable, je suppose, de dire ce que vous voulez au Seigneur. Vous êtes comme forcé à une sorte de silence contemplatif. Eh bien, alors, on n'a qu'à se perdre dans l'amour de celui qu'on s'est appliqué à connaître. On a voulu connaître le Christ. Un moment, pendant votre oraison, il suspend votre prière, abandonnez-vous et vous n'avez pas d'autre chose à faire que de rester comme ça en présence du Seigneur. Ça va? Mais, il y a l'autre cas. Sinon, si Dieu, à tel moment donné, même si vous avez l'habitude d'avoir la grâce de contemplation, mais si, par exemple, telle journée, tel jour de votre prière, là, si là, cette fois-là, le Seigneur n'a pas suspendu vos puissances, n'a pas arrêté vos puissances, alors ne pas faire effort pour écarter la pensée de Jésus. Ça revient au cours numéro 4. Toujours, quand c'est possible, prier avec Jésus, et on dira tout à l'heure, avec Marie aussi. Ça sera une gaffe d'essayer de prier sans être proche de Jésus et de Marie. Ce serait antidoctrinal, parce que la doctrine nous enseigne que tout passe par Jésus et par Marie, mais Jésus très principalement. Ce serait antidoctrinal, pas catholique, et ce serait dangereux. Votre prière serait vouée à un échec. Ça ne veut pas dire que vos prières ne seraient pas bonnes, ça. Mais ça veut dire qu'on serait voué à ne pas dépasser les quatrièmes demeures. On resterait pris là et on ne serait pas capable d'avancer. Bon. Jésus, maintenant, je dis que il est nécessaire. C'est un secours. Je dis maintenant qu'il est un modèle parfait dans la nuit. Prenez toujours les personnes qui sont dans le creux de la nuit de l'esprit, là, qui ne sont habituellement pas capables de prier quand ils se mettent en oraison, seuls, qui ne sont pas capables de prier avec aucun livre, aucun raisonnement, ça ne marche pas. C'est bloqué. Ils ont souvent l'impression qu'ils sont devant un mur et que ça ne passe pas. Hein? Bon, c'est ce monde-là dont je parle, là. On n'est pas rendu, ben mettons ça dans notre mémoire pour plus tard. Mais c'est de ce monde-là que je parle. Je dis que Jésus, pour ceux qui passent par cette grande épreuve-là, eh bien, est un secours, un modèle parfait. Voyez-vous, Jésus, il a passé par un chemin pareil. Sa situation, c'est modèle de la nôtre. Comment? C'est que les mêmes forces se combattent. Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? Parce que les forces du bien combattaient les forces du mal. C'était un grand combat. Les forces étaient les forces destructrices du péché qui ravageaient l'humanité de Jésus. Puisqu'il s'était offert à son Père pour effacer le péché du monde, agneau de Dieu qui porte et qui efface le péché du monde, hein? Il s'était offert à son Père, alors les forces de Dieu luttaient contre lui
contre lui pour qu'il souffre là, pour détruire le péché qu'il portait sur lui. Hein? Les forces destructrices du péché qui frappaient son humanité. Eh bien, l'attitude de Jésus est un modèle de la nôtre dans la nuit de l'esprit. Quand on passe dans la nuit de l'esprit, c'est quoi qu'il y a à faire? La même chose que Jésus. Gémissement sous la douleur et prière d'abandon. Pas capable de faire d'autre chose. Vous vous rappelez au jardin de Gethsémani, notre Seigneur écrasé par la souffrance, la sueur de sang, puis toute cette vision des tortures qui l'attendaient là. Jésus est écrasé, puis gémit. Mon âme est triste à mourir, dit-il. Mon Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Rien qu'y penser, ça l'abîmait, ça l'écrasait là. Mais par ailleurs, c'était l'acte d'abandon, non pas ma volonté, mais la vôtre. Eh bien, dans la nuit de l'esprit, c'est la même chose. Il arrive qu'une âme avancée, là, elle est écrasée sous la douleur intérieure, et puis son attitude, ça doit être l'abandon filial, comme Jésus-Christ devant son Père. Père, si c'est possible, ôtez-moi cette épreuve. C'est tellement dur à porter, mais que votre volonté soit faite. Le genre de souffrance, c'est la même chose que Jésus dans la nuit de l'esprit. Chez le Christ, sa souffrance était uniquement rédemptrice. Il n'y avait pas besoin de purification, il était déjà l'infiniment pur. Mais la souffrance de Jésus, offerte à Dieu le Père, ce n'est pas le fait de sa souffrance, c'est le fait d'offrir sa souffrance à son Père. Marquez bien, hein? Pour nous c'est pareil. C'est pas de souffrir qui nous donne du mérite, c'est d'offrir nos souffrances. On n'est pas prêt pour souffrir, on est prêt pour offrir. Et si on souffre, bien, on offre notre souffrance. Donc, chez le Christ, c'était uniquement rédemption pour nous. Chez nous, étant donné notre condition de pécheur, nous aussi, ça sera une souffrance purificatrice pour nous, nous rendre meilleurs, et déjà rédemptrice en même temps que nos souffrances dans la nuit de l'esprit nous purifient. On appellera ça bientôt, je pense, dans le prochain cours, l'effet de purification. On appelle ça, oui, la purification passive. Eh bien, mais c'est déjà rédempteur. Vous pouvez déjà, en offrant vos peines intérieures, en les offrant en union avec Jésus, dans un acte de prêtre, un acte sacerdotal du sacerdoce des chrétiens, vous pouvez déjà faire avec Jésus un peu la rédemption du monde. Comme disait saint Paul, je veux compléter ce qui pourrait manquer aux souffrances de Jésus. Alors, je suppose que vous en êtes là. Un contact avec le modèle, Jésus, c'est-à-dire un regard prolongé et pénétrant, puisque à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de faire d'autres prières, vous le regardez, Jésus, tout ça donnera force à l'âme. Voyez les saints. Nicodème, jusque-là discret et réticent. Vous vous rappelez l'histoire de Nicodème? C'est un homme du Parlement juif, Parlement religieux, membre du Sanhédrin, un type très droit. Jésus avait dit, c'est un bon Israélite. Il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'hypocrisie en lui. Alors, Nicodème appartient donc au gouvernement religieux des Juifs. Et lui, il aime notre Seigneur, il voudrait le suivre, mais il a peur pour sa position.
il va trouver notre Seigneur une nuit, mais il dit, il n'y a pas moyen d'avoir une petite entrevue la nuit, là, pas que ça paraisse trop. Parce que vous savez, j'ai une position, moi, hein. Il ne faudrait pas que ça paraisse trop. C'est correct, on va y aller. Et notre Seigneur lui parle, il lui assène un bon coup pour son orgueil. Tu es docteur en Israël, puis tu ne comprends pas grand-chose. Hein? Puis après ça, Jésus lui parle doucement. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, dont Nicodème est un disciple. Puis dans un autre endroit de l'Évangile, on dit, il était disciple en secret, il ne disait pas trop. Caché, sincère, mais pas trop vaillant, hein? Il avait peur un peu du martyr. Pense bien, hein? Donc jusque-là, discret et réticent, parlons pas trop. Eh bien, lui, quand Jésus meurt sur la croix, Nicodème monte là. Et avec Joseph d'Arimathie, il va demander le corps de Jésus, il va descendre le corps de Jésus, il va lui trouver un suaire, il va le mettre dans le suaire. Hein? Voyez-vous la force devant la souffrance de Jésus. Allez chercher cela. Saint Paul, lui, ne veut savoir autre chose que Jésus crucifié. Pas d'autre chose. Saint Jean de la Croix nous dit ceci, lui. La nuit de l'esprit ne doit pas nous éloigner, mais nous introduire l'âme dans les hautes cavernes. Ça, c'est du style poétique, hein? Qu'est-ce que c'est les hautes cavernes? C'est les mystères du Christ. Une bonne caverne, hein? Mystère de l'incarnation. Entrer dans cette caverne pour voir à fond le mystère de l'incarnation. Une bonne caverne encore, mystère de la rédemption, et ainsi de suite. C'est ça que Saint Jean de la Croix appelle les hautes caverne où on étudie Jésus. Peu importe les expressions, vous n'êtes pas obligé de répéter ça sur le trottoir en vous en tournant. Hein? C'est simple. Bon, il dit, la nuit de l'esprit ne doit pas nous éloigner, mais introduire l'âme dans les hautes cavernes, c'est-à-dire les mystères du Christ. Voyez, petite Thérèse, dans la nuit de l'esprit qu'elle passe, parce qu'elle y est allée dans la nuit de l'esprit, la dernière année avant de mourir, elle était très, très souffrante spirituellement. Bien, c'est là qu'elle développe sa dévotion à la Sainte Face, au temps de ses épreuves et de sa nuit. Vous savez, jusque-là, Thérèse s'appelait Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Et plus tard, elle a changé. Elle n'a pas changé, mais elle a ajouté. Elle a dit, désormais, je veux m'appeler Thérèse, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce qui était une allusion très directe aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous voulez un mot de pratique avant la pause, là, je ne sais pas moi s'il y en a parmi vous autres qui sont rendus là, ça se peut. Il ne doit pas en avoir beaucoup qui l'ont dépassé. Mais en tout cas, c'est pas impossible, hein? j'ai pas d'affaires à parler trop. Hein? C'est pas impossible. Mais enfin, parlons pas trop. Et puis, si vous voulez, soyons un peu concrets, là, hein? Exagérons pas. Hein? Bon, alors en tout cas, il y a peut-être des âmes qui passent par la nuit de l'esprit. Et quand bien même, ça sera rien que la petite nuit du sens, là, elle y ressemble d'ailleurs, hein? Ben, vous pouvez faire la même chose. La conduite pourrait être très bonne. Alors, je vous donne trois cas ici. Sur vos feuilles, vous avez trois paragraphes, quatre même, avec un petit trait au début de la ligne, voyez-vous là? Un peu plus bas, il y a encore. Concédons. Concédons, concédons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, vous venez me raconter ce qu'il y a dans ce paragraphe-là, puis moi, je vous dis, d'accord, vous le concède. Je vous dis pas que vous vous trompez. Bon? Un premier cas. Concédons l'impossibilité de méditer et de discourir. Ça, on a appelé ça, nous autres, le premier signe. C'est marqué troisième signe. C'est vrai, parce que c'est l'un bout ou l'autre, ça fait pareil, hein? Mais dans notre langage ordinaire, maintenant, je mettrai premier signe. Par d'autres livres de Saint Jean de la Croix. Premier signe, ça veut dire qu'on n'est pas capable de méditer.
qu'on n'est pas capable de trouver des idées, qu'on n'est pas capable de faire des phrases, que les livres, on dirait que ça s'efface à mesure qu'on les lit, on n'est pas capable d'en profiter. Il nous semble que tout est effacé pour nous. Donc, concédons à plusieurs, si vous me dites que c'est votre cas, je dirais oui, l'impossibilité de méditer et de discourir dans l'acte même de la contemplation. Ça veut dire au moment même où vous vous mettez en oraison pour prier. Eh bien, si c'est vrai, là, il reste beaucoup de moments hors de l'oraison, dans la journée, par exemple, des lectures, des prédications, réflexions personnelles, les offices à l'église, la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, des cantiques que vous écoutez ou que vous chantez, il y a toutes sortes d'autres manières de revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, ben, profitez-en. Si vous n'êtes pas capable de lui parler pendant votre prière parce que le Saint-Esprit a pris la place et qu'il vous empêche d'être actif, là, il vous rend passif, eh bien, au moins, en dehors de vos oraisons, soyez sages. Aller à Jésus, tout bas, avec Marie aussi. On verra la Sainte Vierge tantôt. Hein? Deuxièmement, vous allez me dire, moi, c'est pire que ça. Ah, qu'est-ce que c'est qu'être si pire que ça? C'est déjà pas mal pire, hein? Vous allez dire, c'est pire que ça. Concédons à plusieurs l'impuissance habituelle. Ça veut dire que dans n'importe quoi, toute la journée, dans les allées et venues, peu importe que vous soyez vraiment en prière ou en activité, vous n'êtes pas capable d'user de l'imagination et du raisonnement discursif. Dès qu'il s'agit du Seigneur, il n'y a plus rien qui marche, même dans la journée, quand vous n'êtes pas en prière formelle. Ah! Eh bien, c'est vrai, je dis je concède. Si je concède, je vais vous donner un conseil quand même. Ces personnes, c'est Sainte Thérèse qui le leur conseille. Ces personnes peuvent s'accoutumer à considérer la passion d'une façon plus parfaite, c'est-à-dire une pensée couvrant plusieurs jours, pas une méditation d'un quart d'heure, mais une pensée qui va vous rester pendant plusieurs jours, même une semaine, peut-être tout un carême des fois. Hein? Par une activité contemplative qui est une vraie contemplation théologique. Vous ne me ferez pas croire, par exemple, qu'une personne, même dans la nuit de l'esprit, n'est pas capable de s'en apercevoir quand on arrive au carême. Hein? Jamais je croirais. Si vous n'êtes pas capable de faire des prières, vous êtes capable de vous apercevoir que c'est le carême puis que c'est pas pareil. Hein? Ne fût-ce que l'étoile violette des prêtres. Hein? Il y a quelque chose de pas pareil, hein? Ben alors, c'est ça. Ou bien encore, vous voyez des crucifix, hein? Ben, un crucifix, vous voyez toujours bien, hein? Bon, si vous n'êtes pas capable de faire d'autre chose que de regarder un crucifix en passant, ben faites ça. Faites ce que vous pouvez, quoi. Puis le reste, ben c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Tant pis pour lui, hein? Alors, si vous laissez lui qui a pris la besogne, qui a pris à votre place. Hein? Troisième cas, pire que ça encore. On va au pire ce soir. On va se soulager après. Le prochain cours, ça va se soulager. Concédons à quelques-uns, j'ai pas mis à plusieurs, quelques-uns peut-être, à quelques-uns peut-être, hein? Concédons à quelques-uns l'impuissance plus profonde et totale de la nuit de l'esprit, plus moyen de rien penser. On est là un peu bêtement, comme quelqu'un qui voit plus clair, puis qui se cogne le front sur les murs. Je ne sais plus quoi faire de lui. Chez ces personnes, voyez ce qu'on peut faire encore, pas gros, hein? Il reste quand même une véritable lumière mystique procédant d'une expérience intérieure, éclairant merveilleusement le mystère du Christ souffrant. Par exemple, on regardera le crucifix, puis on dira... On se comprend, nous autres. À vous penser une belle scène, lorsqu'il s'agit d'un deuil,
puis vous allez au salon mortuaire. Une scène très belle qu'on voit parfois. Je suppose un cas, là, une personne est affectée d'un deuil. C'est toujours très pénible. Un mois après, une personne de ses amis est affectée aussi d'un deuil à peu près pareil. Les deux se retrouvent au salon mortuaire. Si c'est une femme, on l'embrasse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dis rien. Un homme, une bonne poignée de main, là. On se comprend, nous autres, hein? On le dit même pas. On le dit même pas, hein? Mais ça, c'est très contemplatif si vous faites ça avec Jésus. Quand vous êtes tellement perdu que vous savez absolument pas quoi faire, là, il y a toujours moyen de vous dire, lui a souffert, puis moi aussi, ben on était un peu pareil tous les deux. Et ça, je vous dis que c'est unitif, c'est très, très contemplatif, c'est même très avancé. Dans sa profondeur, le mystique a compris la profondeur du Christ. Il est allé chercher ça en dedans. Je sais qu'est-ce qu'il a souffert, parce que moi... Et dans la profondeur du Christ, il comprend la sienne. Quel appui dans cette nuit. Remarquez encore une fois ce regard sur le Christ. Pas nécessairement sur une image, hein, une pensée. Ce regard sur le Christ n'a pas à nourrir ni contemplation, ni méditation. Souvent, on n'est pas capable. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de s'en aller comme ça, en emportant sa souffrance, puis en se tournant vers Jésus. Tel était le cheminement de petite Thérèse sous la clarté de la face du Christ, la sainte face. Thérèse a dit, j'avais demandé au Seigneur de m'indiquer le chemin de l'amour. La petite Thérèse. Il m'a conduit dans une sorte de tunnel. Je pensais que ça montrait l'amour, moi. Il m'a fait descendre dans un tunnel très sombre. Et dans ce tunnel noir, je n'avais pour me guider pas autre chose que le reflet des yeux baissés de la face de mon bien-aimé. C'est pas bien inconsolant, hein? Reflet des yeux baissés d'un mort, hein? Mais il dit, c'est tout ce qui éclairait sa vie, ça, petite Thérèse. Ça, c'est le cheminement de la nuit de l'esprit dans un très, très beau cas, le cas de Thérèse, l'enfant Jésus. Nous faisons une pause, et après la pause, ce sera la Vierge Marie. Deuxième partie du cours sur la Vierge Marie. D'abord, rappelons une chose très importante que je savais depuis longtemps, mais qu'avec beaucoup de plaisir, j'ai vu recommandée par le Concile. C'est que depuis le Concile, on ne considère pas le mystère de Marie comme un mystère à part Jésus. On doit considérer le mystère de Jésus et de Marie, Mère de Dieu, comme un seul mystère. On ne les sépare plus. Même, on parlait avant d'une christologie d'une part et d'une mariologie d'autre part, deux aspects de la théologie. Maintenant, c'est la christologie qui comprend la Sainte Vierge avec Jésus-Christ. Mais on peut dire à tous les pas. Prenez par exemple l'incarnation. C'est le Fils de Dieu qui se fait homme, mais ça ne se fait pas sans la Vierge Marie. Prenez la naissance de Jésus, Noël. C'est un mystère, on peut dire, des deux. Là. C'est l'enfant Jésus qui naît, mais la Vierge est là, il faut bien. Hein? Et continuez tous les mystères du rosaire, si vous voulez, toute la religion, même le calvaire. C'est Jésus qui meurt, la Vierge est là. Prenez la Pentecôte, hein, les mystères glorieux,
Les apôtres sont là, ils vont recevoir le Saint-Esprit, la Vierge est là. Hein? Alors c'est un seul et même mystère. Évidemment, on peut toujours, si on en a le goût, s'appliquer un peu plus à des livres sur la Sainte Vierge ou à des livres sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les livres sur la Sainte Vierge, on retrouvera Jésus, et dans les livres sur Jésus, on retrouvera la Vierge Marie. Hein? Alors ça, c'est très important, parce que pour la plupart des chrétiens, ou une masse de chrétiens en tout cas, c'est du nouveau. C'est pas du nouveau devant la théologie, mais c'est du nouveau comme mentalité de réflexion. C'est comme ça qu'on voit maintenant. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Ils ont dit que le Concile a réussi à abaisser la Sainte Vierge. Mais non, mes chers amis, pas du tout, au contraire. Même si on ne dit pas le mot mariologie, vous retrouvez la Vierge Marie dans tous les aspects du mystère du Christ. Alors c'est loin de l'avoir abaissée, c'est l'avoir fait monter à la dignité du mystère de Jésus. Alors que ce soit dit comme introduction à cette partie-là. Hein? Rappelons, dis-je, que le mystère de Jésus et de Marie ne forme qu'un seul mystère. Voyons maintenant, d'un peu plus proche, Jésus et Marie. Marie, puisqu'on va parler d'elle spécialement. Jésus et Marie dans le plan divin. D'abord, et B, à la page 3 en bas, intervention de Marie dans la nuit. Jésus et Marie dans le plan divin. Nous pouvons trouver chez les deux, Jésus et Marie, une triple primauté. C'est-à-dire que les deux sont premiers, les deux premiers sous trois angles différents. Primauté de dignité, les deux plus dignes de toute notre admiration. Primauté d'efficience, les deux plus capables de nous apporter la grâce du salut éternel. Primauté de finalité, les deux vers lesquels en premier faut diriger nos ambitions. Alors détaillons un petit peu ça. Hein? Primauté de dignité, Jésus évidemment est le tout premier, lui par choix divin d'abord. Son Père l'a voulu comme ça, et ensuite par le mystère de l'union hypostatique. Un beau grand mot. C'est venu déjà dans le cours 24. Alors, qu'est-ce que c'est que l'union hypostatique? C'est l'union dans la personne. On disait dans le vieux catéchisme, c'était très exact, un peu sec, mais c'était très exact. On disait, c'est l'union de la nature divine et de la nature humaine dans la personne du Fils de Dieu. En Jésus, donc, il y a une seule personne, qui est la personne du Fils de Dieu, Dieu le Fils, mais il y a deux natures. La nature divine, le Fils égal à son Père, et la nature humaine que le Seigneur a voulu prendre sur la terre, de la Vierge Marie. Il s'est trouvé une mère pour prendre en elle la nature humaine qu'il n'avait pas. De sorte qu'après l'intervention de la Vierge Marie, Jésus est donc un être, une personne divine, qui est en même temps une nature divine comme le Père et le Saint-Esprit, et en même temps un être humain comme nous autres, comme vous et moi. Et c'est comme ça qu'il disait « Fils de Dieu » et qu'il disait aussi « Fils de l'homme » parce qu'il avait les deux ensemble. Alors c'est très très grand ça. Pour Jésus, le grand avantage, c'est que tout ce que fait Jésus, même dans sa nature humaine, comme de manger, prendre un bain, se reposer, coucher, marcher, hein, tout ce que fait Jésus, même comme homme, c'est attribuable à une personne divine. Par exemple, quand le petit Jésus sur les genoux de sa mère, là, tout petit, là,
faisait comme les petits, puis qui essayait de piquer ses petits doigts dans la face de la Sainte Vierge. J'étais pour dire dans ses lunettes, là. Bien, c'était le bon Dieu qui faisait ça. C'était une personne divine qui faisait ces gestes d'enfant-là. C'est très, très extraordinaire. Dieu a trouvé moyen de venir vivre une vie humaine. Puis nous autres, humains, hommes et femmes que nous sommes, il a trouvé moyen de nous faire vivre une vie divine. Il s'est abaissé pour nous élever. En tout cas, c'est très grand ça, parce que tout ce que Jésus fait, même comme homme, encore maintenant, c'est toujours une personne divine qui le fait, c'est le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait dire, d'une part, mon Père est plus grand que moi, il parlait comme un homme. Mais il disait, mon Père et moi, nous sommes un, pareil, pareil. Hein? Donc, deux personnes de la même divinité. C'est très grand. Donc ça, c'est Jésus. Prenez la Vierge Marie, elle, évidemment, elle n'a pas ça. Mais elle atteint aux confins de la divinité. Ça ne peut pas aller plus proche de Dieu que la Sainte Vierge l'a été. C'est tellement proche de Dieu, elle l'a presque mis au monde. Elle l'a mis au monde, le bon Dieu, dans la vie humaine. C'est fameusement proche. Elle atteint donc aux confins de la divinité. Elle entre dans le plan hypostatique, c'est-à-dire que c'est grâce à elle, à son vouloir et à son corps, pas seulement son corps, mais son vouloir, sa volonté, c'est grâce à elle que le Fils de Dieu s'est fait homme. Donc il y a maintenant et pour l'éternité une personne divine qui a une vie humaine. C'est grâce à elle. Elle atteint une certaine égalité avec Dieu. Je ne dis pas égalité parfaite, mais jusqu'à un certain point. Prenez par exemple, hein, pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Parce que Dieu l'a voulu, hein, la volonté de Dieu, mais parce que la Sainte Vierge l'a voulu aussi. Vous savez, une noce, hein, les femmes savent bien ça. Les hommes devraient le savoir. Hein. Faut dire oui des deux bords, hein? Mais c'est le oui de la femme qui compte. Ben oui. Quand même, un homme crierait « je te veux, puis je te veux, puis je te veux hein? », si la femme dit simplement « non, moi je veux pas », il n'y aura pas de mariage. Pour Jésus, le mystère de Jésus, c'est ça, vous savez. Dieu le voulait depuis l'éternité, mais il attendait le « oui » de Marie. Et tant qu'elle n'a pas dit « oui », le mystère ne s'est pas accompli. Et aussitôt qu'elle a dit « Fiat, mequi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole », immédiatement, elle conçut par l'opération du Saint-Esprit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est très fort, hein? Elle est mère sur le plan hypostatique, et dans toute la plénitude du terme, on peut dire et on doit dire qu'elle n'est pas seulement mère de l'humanité de Jésus, mais elle est mère de Dieu, de Jésus, Dieu. Elle ne lui a pas donné la vie divine, il l'avait. Mais elle a donné la vie humaine à un Dieu. Celui à qui elle a donné une vie, c'est une personne divine. Donc, elle est la mère d'une personne divine. Et elle est véritablement mère de Dieu. Ce n'est pas une figure de style, c'est strictement vrai. Qu'est-ce qu'une mère, par définition? C'est la femme qui procrée, qui donne la vie à un enfant. Or, la Vierge Marie a fait ça exactement. Mais à qui a-t-elle donné la vie? À une personne divine. Donc, celui à qui elle a donné la vie, c'est la personne du Fils de Dieu. Elle est donc la mère du Fils de Dieu. Vraiment mère de Dieu. Elle est collaboratrice de toute fécondité divine. Tout ce que Dieu a voulu faire de grand et de beau, ça a marché avec la Vierge Marie. Maintenant, primauté, déficience, de rendement ou d'effet. Jésus, évidemment, le premier, le tout premier, et lui, il a eu comme rendement, il a été d'abord soumis à un rude labeur.
Il est prêtre, il est sauveur et victime. C'est donc le premier qui nous a donné, sans lequel on n'aurait pas la rédemption de nos âmes. C'est vraiment Jésus qui est le rédempteur. Mais Marie est une parfaite collaboratrice là-dedans. Lors de son fiat volontaire, elle a collaboré au mystère. Son fiat, elle l'a répété mille fois. Et des millions de fois toute sa vie jusqu'au calvaire, jusqu'au jour de la Pentecôte et encore après. Et Marie devient médiatrice de toute grâce. Il y a beaucoup de protestants qui n'aiment pas ces mots-là, mais faut pas les laisser faire. Je comprends qu'ils autres, ils disent que nous n'avons qu'un médiateur, et c'est vrai. Il n'y a qu'un médiateur, mais Marie est médiatrice avec le médiateur. Le médiateur, il ne fait pas ça tout seul, il fait ça avec elle. Hein? C'est lui qui est médiateur. Ça, les protestants ont raison là-dessus, puis nous autres aussi. Mais ils n'ont pas raison quand ils n'admettent pas la Sainte Vierge comme collaboratrice avec Jésus. C'est parce qu'ils comprennent mal les textes. Hein? Donc, Marie, médiatrice de toute grâce. Jésus est en cause première de la grâce et Marie cause seconde, mais ça marche ensemble. Hein? Marie est en mère partout où Jésus est sauveur. Son rôle, Jésus, c'est de nous sauver. Marie, c'est d'être mère pour nous, d'être notre mère. Même, Marie enveloppe tout d'un voile humain, féminin et maternel, et exerce sur la grâce une causalité physique instrumentale. C'est-à-dire, la grâce, Marie devient un instrument de la grâce. C'est grâce à Marie, à son corps et à son vouloir, que la grâce en personne est descendue sur terre, le Fils de Dieu, et toutes les autres grâces s'en suivent, hein? Tout à cause de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, dans l'histoire des saints, dans l'histoire de l'Église. Le Seigneur est bien psychologue, vous savez. Il nous connaît. Il sait bien que l'homme a besoin de la femme. Que la femme a besoin de l'homme. Avez-vous remarqué que la plupart des saints qui ont des visions, c'est des visions de la Sainte Vierge. Puis beaucoup de saints qui ont des visions, c'est des visions de notre Seigneur. Hein, il n'est pas pire, hein, bon Dieu. C'est bien arrangé. Hein? Non, c'est vrai, il y a un appel. Un appel de l'homme vers une maternité. On cherche maman, quoi. Hein? Puis on a un appel de la femme vers une paternité. Ça demande, hein? C'est bien arrangé. Enfin, primauté de finalité, c'est-à-dire que c'est vers ces deux êtres-là que nous devons diriger notre marche. Jésus est notre roi, à qui nous devons soumission et adoration. Marie, elle, est notre reine, à qui nous devons le culte d'hyperdulie. Vous rappelez-vous ces grands mots-là? Dans le vieux catéchisme. On disait, on doit à Dieu le culte de l'atrie, adoration. Et ceux qui donnent à d'autres qu'à Dieu l'adoration, ce sont des idolâtres. Ils font de l'idolâtrie. Hein? Le culte de l'atrie, c'est de donner l'hommage d'adoration à un personnage. Or, Dieu seul est digne de cet hommage-là. Mais les saints, eux autres, on appelle ça, c'est un grand mot, le culte de duli, c'est-à-dire de convenance. Ça convient d'avoir des égards pour ceux qui sont proches de notre Seigneur, hein? C'est évident. Mais pour la Vierge Marie, on a toujours, depuis des siècles, hein, on a toujours distingué qu'elle, c'est pas le culte de l'atrie, mais c'est plus que le culte de duli qu'on donne aux autres saints. Ou si vous voulez, c'est un culte de duli en toute grandeur, qui dépasse tout le reste. Bon, arrivons maintenant à la nuit de l'esprit, puisque c'est là-dedans. Rôle providentiel de Marie dans la nuit. Marie, mère de miséricorde au jour sombre. C'est-à-dire, toutes les pages tristes de l'histoire, vous voyez apparaître la Sainte Vierge. C'est un fait d'expérience. Quand Dieu est irrité,
Et il paraît, en passant, là, il ne s'irrite pas. C'est une façon de parler. Dieu ne se fâche pas, jamais. C'est une façon de parler. Jésus s'est fâché, mais il a arrêté de se fâcher. Il est mort, c'est heure. Puis il est au ciel. Puis il se fâchait, mais il se fâchait correct. Il avait le droit de se fâcher. Hein? Fâchez-vous, puis péchez pas. Puis vous autres, pareil. Alors, Dieu ne se fâche pas, c'est impossible. Mais c'est une façon de parler, parce que Dieu nous éduque comme on éduque des enfants. Hein? Il y a bien des mamans qui vont dire à leurs enfants, « Tu sais, maman est fâchée, là! » C'est pas vrai, hein? Elle va pleurer de l'autre côté. Hein? Alors, c'est une façon de parler. Dieu, c'est comme ça. Donc, quand Dieu paraît irrité et paraît se retirer, la miséricorde divine se prolonge elle-même jusqu'en ses limites extrêmes en utilisant le ministère de Marie. Voyez plutôt quelques exemples. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre parce qu'ils ont fait une terrible faute. Ils ont voulu se prétendre Dieu. Satan leur avait dit, si vous mangez le fruit défendu, vous serez comme des dieux. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de l'autre, il vous a blagué l'autre. Ils ont fait le péché. Ève la première, puis Adam ensuite. Mais c'est Adam qui est responsable pour la famille. Alors, ils ont fait le péché. Par conséquent, ils n'étaient plus d'accord avec Dieu. D'abord, vous voulez être Dieu tout seul, d'abord vous autres. Hein? Mais juste là, en les chassant du paradis terrestre, écoutez là, je ne vais pas vous faire du catéchisme en images, c'est pas ça, hein? Mais c'est vrai quand même qu'il y avait un paradis puis qu'ils en ont été privés, hein? Peu importe l'image là. Hein? Alors là, tout de suite, le bon Dieu a parlé de la Vierge Marie. « Je mettrai une inimitié, dit-il au serpent, entre la femme et toi, et son fils et toi, hein? Et tu voudras, il voudra te mordre au talon. Hein? » Tu lui écraseras la tête. Donc, c'était une annonce lointaine de la Vierge Marie. Je vous chasse, vous n'avez pas fait comme il faut, il y aura tout de même une petite chance de revenir, puisque plus tard, il y aura Marie. L'histoire du peuple juif sous Akaz. Isaïe veut donner un signe au roi Akaz. Le roi Akaz dit, je n'ai pas besoin de signe. D'abord, c'est un méchant roi, hein? Il n'a pas besoin de ces affaires-là. Fiche-moi la paix avec tout ça. Et Isaïe lui dit, t'en veux pas de signe, tu vas en avoir un quand même. Puis le signe que je te donne au nom de Dieu, c'est qu'une vierge enfantera. Hein? C'est encore une annonce lointaine de la Vierge Marie. L'histoire de Jésus. Voyez-vous l'histoire de Jésus? Ça va très bien, mais dès qu'il veut parler de résurrection ou ainsi de suite, là, de faire un nouveau royaume, eh bien, on le persécute, on va le mettre à mort après 3 petites années, peut-être même pas. 3 petites années, je dis, de vie publique, on va le mettre à mort. Mais Marie arrive. Quand Jésus est condamné à mort, hein, pour les disciples, c'était ça l'Église, c'était pas gros. Hein. Il était 12, peut-être une quinzaine, là. Quelques bonnes personnes à part ça. Quelques saintes femmes, là, Marie-Madeleine et d'autres. C'était pas brillant. Or, c'était pas un succès, ça. Leur chef était condamné à mort ignominieusement sur la butte du calvaire, au vu et au-dessus de tout le monde. Pas brillant, ça. Mais vous voyez monter la Vierge. Elle arrive. C'est pas tout est pas perdu. Lui s'en va, la Vierge arrive. L'histoire de l'Église infectée par des hérésies ou des invasions, Marie apparaît à Saint-Dominique et promet le rosaire, et offre le rosaire. On va à elle comme à la pure créature pure, c'est-à-dire qu'elle, elle n'est pas le bon Dieu. Mais parmi les êtres qui ne sont pas le bon Dieu, il n'y a rien et personne de plus grand que la Vierge Marie. Elle ne peut pas être plus grand que la Vierge Marie. Elle dépasse les anges, elle dépasse tout. Et on va à elle, pas seulement parce qu'elle est une pure créature, c'est moins épeurant que le grand Dieu, hein? Mais on y va parce que Dieu lui a confié la miséricorde. C'est elle qui est la mère de miséricorde. Alors, comment intervenir et pratiquer notre dévotion envers Marie, tout particulièrement
quand on passe les nuits spirituelles, les grandes épreuves. Différentes formes d'intervention de la part de Marie. Parfois, elle va intervenir visiblement, miraculeusement. Par exemple, Saint Jean de la Croix. Jean de la Croix, tout petit, il n'était pas encore dans la nuit de l'esprit, mais il était tout petit, il est tombé dans un étang, un petit lac. Elle est venue pour le sortir. Elle est venue au bord de l'eau, la Vierge, et elle lui est apparue, puis elle lui a tendu la main, elle dit, viens mon petit, viens, 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 viens mon petit. Et puis le petit gars, il a vu la main de la Sainte Vierge bien trop belle, je ne suis pas capable de toucher à ça, il s'est laissé caler. Alors la Sainte Vierge a envoyé un ange. Il y a un homme qui est arrivé tout d'un coup, qui l'a, a sorti l'enfant de l'eau, puis aussitôt après, l'homme n'était plus. C'était un ange. Hein? Plus tard, quand Saint Jean de la Croix a été fait prisonnier dans une prison monastique, il a été dans toutes sortes de tortures, c'est-à-dire tortures morales et puis de malaise physique. Hein? Eh bien, la Vierge Marie, après 9 mois de prison, elle lui est apparue puis lui a dit, je viendrai te chercher le jour de ma fête, le 15 août. Puis en fait, la veille de sa délivrance, un frère a eu pitié de lui puis il l'a fait sortir de sa cellule. Puis en passant, il a vu une fenêtre. Et cette fenêtre-là, il l'avait vue dans sa vision de la Vierge. C'est par là que je vais me sauver. Alors, il a déchiré ses draps la nuit. Il a trouvé moyen d'ouvrir la porte qui était barrée, mais il a un petit coup d'épaule, là, puis ça s'est poussé. Et puis, il est allé à la fenêtre, il a attaché la corde après une petite lampe, à peu près 5 livres. Puis s'est pendu au bout de la corde. Puis il est resté là au bout, dans le vide. Puis là, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, sauter. Malheureusement, il est tombé dans la cour intérieure du monastère des Sœurs. Le v'là, lui, dans la cour d'un couvent cloîtré de Sœurs. Quel scandale, quelle affaire. Comment en sortir? La Sainte Vierge lui a envoyé un ange. Il l'a soulevé à la hauteur d'un petit hangar, puis là, il a pu sauter ensuite. Alors, c'est pour dire que parfois, la Vierge peut intervenir visiblement, miraculeusement, mais habituellement, elle ne trouble pas notre purification. Elle laisse le Seigneur nous purifier. Ça me fait penser, moi, vous savez, une famille où le papa aurait été un peu sévère pour l'enfant, d'ailleurs qu'il mériterait, et a puni un enfant assez sévèrement. Hein? Et puis la femme, très discrète, elle dit, je ne peux pas défaire ce que mon mari fait. Je ne peux pas. Mais par en arrière, elle dirait aux enfants, prenez ça comme il faut, là. Prenez ça comme il faut. Le papa vous a puni, là, mais vous allez voir, ça va s'arranger, ça. Hein? Prenez votre punition comme il faut, là. La Sainte Vierge, c'est comme ça. Hein? Vous êtes puni, vous n'êtes pas puni précisément, mais purifié, éprouvé. Bien, elle viendra nous aider, non pas en ôtant nos épreuves toujours, mais en nous aidant à les supporter. Et elle le fait avec délicatesse, discrétion, amorçant l'intimité. Comment l'âme, alors, dans la nuit, va-t-elle recourir à la Vierge Marie pendant sa nuit? Au commencement de l'Église, ça se faisait d'une façon implicite, c'est-à-dire qu'on aimait bien notre Seigneur, la Sainte Vierge, mais on n'avait pas encore de dévotion d'organiser. Hein? Les apôtres qui avaient la chance de connaître la Sainte Vierge, ils se vantaient de ça, ils disaient, moi je l'ai rencontrée, tu sais. Les 12 apôtres l'avaient vue, mais les premiers là, hein? Ils disaient, moi je l'ai connue, je l'ai rencontrée, oh chanceux toi, hein? C'était comme ça à peu près. Et alors, c'est pas tout de suite, l'année après la Pentecôte, qu'on a commencé à avoir des chapelles à la Sainte Vierge, hein? Et puis des autels, et puis des statues, hein? Ça s'est pas fait tout de suite, ça. Mais avec le temps, ça s'est développé, ça s'est concrétisé. De nos jours, c'est plutôt direct, là, qu'on va recourir à la Vierge Marie. Dans son désarroi, l'âme, profitant d'un clair-obscur de sa nuit, un moment où elle comprend un peu mieux, va chercher une saisie
un contact avec cet appui maternel. C'est comme si dans le creux de la souffrance, on criait « Maman ». C'est un peu comme ça. C'est un peu comme vous disiez tantôt, « Regardez le Christ » ou bien « Criez Maman ». Diverses formes de l'intimité avec Marie. Il y a le genre de Saint Jean. Saint Jean, c'est celui qui est toujours autour d'elle. Il y en a encore des chrétiens comme ça, même très, très fervents. Ils sont toujours autour de la Sainte Vierge. Hein. Je me rappelle, j'ai voyagé longtemps, moi, dans mes courses, avec un religieux. On s'arrêtait des fois devant une église. Hein. On saluait le Saint-Sacrement, puis quelques instants, là, on regardait un petit peu l'église, puis on voulait s'en retourner. Il n'était pas là, c'est qu'il était. Il était rendu devant l'autel de la Sainte Vierge. C'était entendu, ça, c'est là qu'il était. J'ai prêché des retraites sur le mystère de Jésus, et ce religieux-là était là. Je parlais de Jésus, lumière, Jésus, époux des âmes, Jésus, force des martyrs, et toutes sortes de choses comme ça. Et dès que je disais « Marie », un ressort, hein? Ça, c'est le genre Saint-Jean. Dites Marie, puis il est réveillé. C'est pas nécessaire que tout le monde soit comme ça. C'est beau. C'est même un peu privilégié. Enfin, c'est pas nécessaire que tout le monde soit comme ça. Il y a les autres, quoi, hein? Le cadre étant moins marial, la dévotion réelle est tendre. Voulez-vous l'exemple, là, classique de la dévotion à la Sainte Vierge? L'Église catholique. Le prions en église, le calendrier liturgique. Il n'y a pas une messe où on ne dit pas que cette messe est offerte en union avec la Vierge Marie. Hein? À part de ça, une messe, vous avez remarqué, c'est même pas des prières à Jésus. Les prières vont au Père. Recevez, Père très saint. Hein? À vous, Père très saint. Hein? Les prières vont au Père. Mais... il y a des fêtes mariales en Corée, pas hier, non, mais il y a quelques fêtes pendant le temps de l'année, hein. C'est les Sedouleurs, vous avez des grandes fêtes surtout, Marie Mère de Dieu, l'Assomption, l'Immaculée Conception, hein. Il y a de très grandes fêtes à la Vierge Marie. Et puis après ça, il y a au moins une quarantaine de messes dans le missel romain, pour honorer la Vierge Marie. Donc l'Église en fait beaucoup, beaucoup de corps. Quelquefois, ça coule à travers les autres prières, hein? Et d'autres fois, c'est comme quelque chose de très spécial, même il y a des mois consacrés à la Vierge, et ainsi de suite. Hein? Alors chacun peut entrer là-dedans, suivant son tempérament. Si quelqu'un développe une piété mariale tellement frappante qu'il pense à la Sainte Vierge tout le temps, laissons-les faire, mais c'est magnifique. Mais on ne peut pas demander que tout le monde soit comme ça. Mais au moins, suivons notre Mère la Sainte Église et personnellement, là, tâchons de développer une affection filiale envers Marie parce qu'elle est toute mère. Eh bien, voilà, hein? À partir de la prochaine fois, nous commençons à voir les effets de la nuit. Jusqu'ici, on a vu surtout le côté douloureux. Il faudra dire maintenant qu'est-ce que ça donne de passer par là. Il y aura deux cours sur les effets, même plus que ça, parce que ça enchaîne déjà la grande finale de nos cours. Déjà, là, on sort de cette nuit pour s'en aller vers la sainteté. Bon, voilà.